Si vous l'avez du passé, c'est normal. Nanana, nanana. Et bonjour les enfants, et oui, aujourd'hui c'est le dernier jour d'école à la maison avant 2 semaines de vacances. Alors je te propose d'enfiler tes gants et puis de semer des tas de fleurs dans des petits balcons. Regardez, moi je suis sur un petit balcon, ça ne m'empêche pas d'avoir des jolies fleurs colorées, du persil, du basilic, de la ciboulette et même des plantes tomates. Alors il suffit de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie à faire des plantations avec papa et maman ou même tout seul. Et puis, on récupère des petites graines à droite, à gauche et on les plante. Voilà, ça met beaucoup de joie et beaucoup de couleurs dans les maisons et c'est justement ce qu'il nous faut aujourd'hui. Avant de faire la date, je vais enlever mes gants. Et puis on va commencer par un petit rituel bonheur. Cette fois-ci, tu vas faire comme moi. On va imaginer qu'on est en train de cueillir une fleur de pissenlit, un petit akène blanc. On va le porter à sa bouche. On va prendre une grande inspiration par le nez et on va souffler dessus. Encore une fois. Et on souffle dessus. Et encore une fois. Et on souffle dessus. Et ça va s'envoler partout. On imagine toutes les petites étoiles blanches du pissenlit qui s'envolent partout. C'est tout le soleil et l'amour qu'on a au fond de nous qui va se disperser par petites touches, pou, un peu partout. Voilà. Allez, on est parti pour faire la date. Bien, on va essayer de réfléchir sur la date d'aujourd'hui. Alors, notre train de la semaine commence par lundi, mardi, la maîtresse qui fait la poule, mercredi rose, on se repose, et jeudi bleu qui a fait réveiller la maîtresse, parce qu'elle était en train de dormir. Alors, on va enlever Petit Loup qui continue à aller sur le jour orange. Alors, c'est quoi ce jour orange? Je ne vous ai pas mis toutes les lettres alpha, puisque ça en fait un peu beaucoup. Donc, je vous ai juste mis la première. Comme ça, vous allez tous pouvoir réfléchir au jour de la semaine qui commence par le vent. Tu connais le son que fait le vent? Si on regarde bien le mot, il y a le V, le E, le N, le D, le R, encore une fois le E, le D et le I. Et donc nous sommes vendredi, c'est bien ça, le jour de la semaine qui commence par le V, c'est vendredi. Du coup, nous sommes bien vendredi, le vendredi orange. Alors, les petits champions des nombres. Celui-là, c'est combien? C'est ça, c'est le 9. Le 9, regardez. À ne pas confondre avec le 6, le 9, il a une tête d'œuf. Et oui, nous sommes vendredi 9. Et le mois n'a pas changé. C'est toujours le mois du printemps qui commence par la lettre A. Alors, pour les petits champions de la lecture, on va le lire ensemble. Avril. C'est ça, c'est le mois d'avril. Aujourd'hui, je lis la date, vendredi 9 avril. Bravo! Et me revoilà après la date. Pour le programme du jour, pour tout le monde, on va plutôt travailler
l'écriture, le graphisme, le dessin. Donc si vous n'avez pas terminé vos coloriages du mois, pensez à le faire. Le coloriage sans dépasser ou le coloriage structuré, et pour les petits, juste le coloriage sans dépasser, ce sera déjà pas mal. Ensuite, on a pour les petits des jeux de doigts, un petit jeu de doigts qui fait le bourdon, voilà. Ensuite, pour les petits, on a un petit jeu de doigts où ça va chanter le bourdon, dites à la clochette. Ça, c'est les petits. Les moyens, on a des exercices de pont dans la farine. Et pour les grands, on terminera par le tracé du M. Tout ça, c'est sur des petites vidéos que je vous mets sur le compte YouTube. Ce sera tout pour la semaine. Vous avez déjà bien travaillé. Ah non, il manque le défi du jour. Ça va plutôt être le défi des vacances. Alors, c'est les papas et les mamans qui vont être contents parce qu'il y aura deux défis. Le premier, c'est de planter une petite plante. Allez, chacun sur son balcon, dans son jardin, on plante une petite plante, une petite fleur, un aromate, peu importe, mais on fait du jardinage. Ensuite, le deuxième défi, eh bien, puisque la maîtresse est gourmande, vous allez, avec maman ou avec papa, faire une pâtisserie ou des biscuits et m'envoyer la photo. J'ai pas besoin de la manger lundi à mon retour, hein. C'est vraiment, vraiment pour vous. Vous choisissez une recette qui vous convient, les petits sablés, un gâteau, une charlotte, peu importe, quelque chose, une petite gourmandise, et puis vous m'envoyez toutes vos gourmandises en photo. Je vous fais plein, plein, plein de gros, gros, gros bisous. Vous allez manquer pendant ces vacances. On se dit à très vite.